beaucoup dans mon métier. Ce que j'aime bien, en fait, c'est transmettre ma passion. Donc, du coup, ça passe par beaucoup de pédagogie et l'attention envers les stagiaires. C'est-à-dire qu'on va essayer de transmettre toute la technique et toute la vision qu'on a de l'eau. Donc la vision de l'eau, c'est imaginer ce qui se passe au fond de l'eau. Donc c'est pas le fond d'une piscine, c'est pas plat, c'est vallonné, il y a des roches, des têtes de roches, des plateaux, des bancs d'algues. Et il faut en avoir conscience. En fait, c'est ça. Et pouvoir passer sur ces... laisser dériver le bateau tranquillement sur les plateaux pour aller sur l'habitat des poissons. Alors côté océan, on va avoir des courants de marée. Alors des courants de marée en pleine eau, ça va être juste un courant formé par la marée. Par contre, dans le golfe, c'est des courants aussi formés par la marée, mais avec des grands goulets où l'eau accélère. Ça fait comme des siphons, en fait. Et du coup, plus ça se rétrécit, plus le courant s'accélère. Et effectivement, au niveau technique, c'est pas du tout la même pêche. Moi, ce que je préconise, c'est pêcher hors golf au départ pour apprendre sur des plateaux de roches qui sont juste bercés par le courant de marée. Et en fait, c'est beaucoup plus simple parce que la technique, en fait, c'est d'aller chercher le fond, de pouvoir pêcher au fond. C'est le béaba, en fait. Pouvoir pêcher le fond, savoir quand est-ce qu'on est au fond pour pouvoir, après, pêcher un peu plus haut dans la surface d'eau. Il faut savoir que la ressource, elle n'est pas inépuisable. Et effectivement, on est très attentionné à promouvoir une pêche raisonnée. C'est-à-dire un prélèvement, si on veut prélever, on prélève du poisson, mais juste pour pouvoir manger. Et ce dont on a besoin, pas plus. La réglementation, aujourd'hui, il y a un moratoire en cours sur le bar qui autorise le prélèvement de 3 bars par personne, par bateau. Donc, c'est-à-dire que si on est 3 dans le bateau, on peut prélever 9 bars. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, on est 3 de la même famille. Est-ce que c'est raisonnable de prélever 9 bars? Voilà. On prélève 1 bar, 2 bars, voilà. Et ça suffit, le reste, on le remet à l'eau. Ils vont aller faire des petits et la ressource sera d'autant plus importante après. Et le plaisir de pêche sera beaucoup plus important. Ça vaut 2 points là. Ah, ça vaut 5 points. On va voir comment il est gros. Ah, il est énorme là. La canne elle pif. Allez, mouline en descendant. On va ramener tout doucement ça. Mouline en descendant. Ah non, c'est toi qui le fais. Si on le perd, on le perd, mais c'est pas grave.